Jimmy Pardo. Le parti n'est pas parti, n'est pas un parti politique et ne le sera jamais, bien au contraire. Le seul point sur lequel on est d'accord, c'est que on n'est pas bien, la société va mal, on se fait enfumer, mais alors. Ah, salut les gens. Bah, c'est Jimmy du parti des pas de parti, hein, je vais vous épargner le couplet habituel. Pardon, mais juste avant le live, j'avais les travers, mais on s'en fout. Je vais vous épargner le couplet habituel, puisque de toute façon, soit vous le connaissez par cœur, soit vous avez qu'à regarder une autre vidéo, soit c'est marqué dessus. Alors, Juan Branco, Iron Man ou Lex Luthor? Sincèrement, si je viens ici aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, pour discuter le bout de gras et en causer deux minutes, c'est parce que ce type m'intrigue, m'interpelle, m'attire et en même temps ne m'inspire pas confiance. Alors, j'ai deux, trois trucs à déblatérer sur le sujet. Si vous vous êtes déjà forgé un avis et que des contre-avis ne vous intéressent pas, tirez-vous, salut mon vu. Si vous ne vous êtes pas encore forgé d'avis, mais que vous n'avez pas besoin d'un grand chauve qui gueule pour vous en faire un, tirez-vous. En revanche, si jamais le sujet vous parle, que vous avez envie d'échanger un tout petit peu là-dessus, ou dans le cas où vous aimeriez vous divertir pendant quelques instants, eh ben, je vais essayer de m'employer à cette tâche. Alors, moi j'ai un véritable problème avec Juan Branco, je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui suivent mes conneries, pas depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, mais depuis bien avant, puisque il y a déjà un an, comme dirait l'ami Bigard à qui on me compare très souvent, j'avais déjà prié Monsieur Emmanuel Macron de prendre rapidement contact avec la population masculine grecque, traduisez « d'aller se faire enculer » pour ceux qui auraient des problèmes de compréhension. Et il en était de même de son prédécesseur, l'habitant du pot de yaourt, là, traduisez, Monsieur François Hollande, amusément, communément appelé entre nous, l'ami Flamby. Alors, je vais vous dire ce qui me dérange par rapport à Branco. On est confronté à un type qui n'hésite pas à dénoncer toutes les énormités et toutes les failles, pas toutes les failles, pardon, mais toute la perversité du système capitaliste qui nous dirige. C'est-à-dire que le mec se balade avec sa lance, son glaive et son bouclier dans les mains, en hurlant à qui veut bien l'entendre que c'est un scandale, on nous spolie, on nous ment, comme disait Arlette, pour ceux qui ont des références, et qui n'hésite pas à un moment donné à s'autoproclamer en quelque sorte potentiellement leader d'un mouvement comme les Gilets jaunes. Alors, rien que ça déjà, ça me pose un souci. Ça me pose un souci parce que la plupart des gens qui sont aujourd'hui catalogués comme étant des leaders des Gilets jaunes, je pense aux amis comme Drouet, comme Maxime Nicole, comme l'ami Rodriguez, que je salue d'ailleurs au passage, ces gens-là, ils se sont autoproclamés mes couilles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont agités dans leur petit coin en disant « Pourquoi on sortirait pas de chez nous ? Pourquoi on n'irait pas intensifier la lutte sur le terrain ? Pourquoi on ferait pas en sorte de retourner le système ou à minima d'essayer de se sortir les doigts du cul pour changer votre et notre condition ?» Et on a d'un autre côté un Juan Branco, si vous voulez, qui vient dénoncer un système dont il est issu. Donc ça déjà, ça me gratte un tout petit peu, voyez-vous. Mais n'oublions pas, et c'est à moi de ne pas l'oublier, et je vous prierai de me le rappeler dans les commentaires si jamais je pars un petit peu dans tous les sens, que j'ai toujours considéré, et je continue toujours de considérer, que toute forme de lutte est légitime. C'est un petit peu pour ça que j'ai appelé ce live Branco, Iron Man ou Lex Luthor. Pour ceux qui connaissent pas trop les personnages, Iron Man, à la base, il vend des armes. Et le jour où il comprend à quoi ça sert,
il devient un super-héros. Quant à Lex Luthor, lui, versus Superman, pour ceux qui ont aussi des problèmes de référence, il est déjà immensément riche à la base, mais il ne perd jamais une occasion de se mettre en avant pour faire le mal. Donc c'est pour ça que ce type me gratte. De plus, cet homme-là, il a un passif qui me pose un véritable problème d'ordre politique. Il a été l'avocat de Mélenchon. Donc pour ceux qui suivent toutes mes excentricités, vous savez pertinemment que ce soit Mélenchon, Hulot, Le Pen, Lassalle, Ruffin, pour moi il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et de toute façon, toute appétence politique de ces représentants des Gilets jaunes me pose un véritable problème. Comment vouloir se battre contre un système quand on fait en sorte de le faire évoluer ou de le modifier? Non, en tant que Gilet jaune, si j'ai bonne mémoire, ou en tout cas en tant que Jimmy, parti des pas de parti, moi je n'aspire qu'à une seule chose, c'est de faire exploser le système en place pour l'éradiquer et reconstruire complètement autre chose. Donc, rien que ça aussi, ça me pose un véritable problème. Ensuite, et je vais tâcher de ne pas m'interrompre moi-même, dans un mouvement comme les Gilets jaunes, qui se veut normalement uni et soudé, même Ruffin, à partir du moment où il fait partie de la France insoumise, il cautionne, et ça me pose un véritable problème, je l'ai déjà dit des milliers de fois, je ne vais pas recommencer, donc je ne peux pas le voir en peinture non plus. Dites-vous bien qu'en ce qui concerne la classe politique, par rapport à moi, je rejette en bloc. Merde avec mes gants. Si de l'intégralité de mon discours, tout ce que tu retiens, c'est que j'ai une paire de gants, ça y est, tu les as vus, tu peux te barrer, mec. Donc, tout ça me pose un véritable problème, dans la mesure où, à la bonne vôtre, pour une fois, je bois que du café, ça évitera les détracteurs de coca de venir me casser les couilles, ce qui me pose aussi un véritable problème à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, c'est que l'ami Branco, une de ses premières actions de guerre lors d'une conférence, c'est de taper sur la tête de l'ami Boulot, François Boulot. Or, je ne sais pas si vous avez regardé le match à la télé, mais de tous les gens qui se sont mis en avant en ce qui concerne... Salut Claude Vedovato, à la prochaine, personne ne te retient. En ce qui concerne la plupart des leaders des Gilets jaunes, qu'ils aient été, entre guillemets, élus ou qu'ils se soient autoproclamés et qu'ils aient tenu leur place, s'il y en a bien jusqu'à maintenant qui n'a subi que très peu d'assauts de la part des Gilets jaunes, parce qu'il apporte quand même une action qui reste cohérente, construite, consistante et intègre, c'est quand même bien François Boulot. Alors, je vais vous donner mon avis sur Juan Branco et vous en ferez ce que vous voudrez et après je lirai un petit peu les commentaires pour voir s'il y a un échange. Soit, petit 1, nous sommes confrontés à quelqu'un qui est issu d'un milieu extrêmement favorisé où il a pu côtoyer les hautes sphères, les Bernard Arnault, les Rothschild et tutti quanti. Et à un moment donné, il a fait le constat que cet environnement est particulièrement toxique, néfaste, malsain à la collectivité et il a décidé de le dénoncer et de passer à autre chose, auquel cas, chapeau mec, félicitations, roule ma poule, je suis devant toi, derrière toi, à côté de toi, comme tu veux, et on y va. Soit on a affaire effectivement à un opportuniste qui ne cherche que buzz, pognon, notoriété et gonzesse. Mais si on dit ça de Juan Branco, ce serait tout aussi valable pour Éric Drouet, Maxime Nicole, l'ami Rodriguez, Ma Pomme, Alix, Bataf, toute la clique, et on sait très bien que tous ces gens-là ne sont pas là pour ça. Soit on a affaire, et là vous allez voir que c'est un tout petit peu plus compliqué, pas un agent infiltré, parce que j'aime pas du tout le mot, mais un pion stratégiquement placé par nos ennemis. Je vais vous dire ce que moi j'en pense. Si je suis à la place d'Emmanuel Macron, quelle horreur, déjà j'ai pas cette tête-là, je ressemble à autre chose. Si je suis à la place d'Emmanuel Macron, et que je me retrouve dans cette putain de situation que je ne peux plus gérer, je ne peux plus éradiquer le mouvement des Gilets jaunes par la violence.
je ne peux plus éradiquer le mouvement des Gilets jaunes en faisant marche arrière. Sinon, je passerai pour une tarlouse. La meilleure des solutions serait que moi, je positionne à la tête des Gilets jaunes le candidat que j'ai fabriqué. Ce qui me permettra d'emmener mon ennemi là où je veux qu'il aille. Et qu'est-ce que je lui donne à cet homme-là ? Je lui donne une belle gueule, de l'oseille, un passif scolaire du feu de Dieu, un accès aux médias quasiment illimité, parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'ami Branco, il est sur tous les fronts, il est sur tous les coups, alors que des gens comme Drouet, Rodriguez et Nicole, il a quand même fallu quelques voitures cramées, et il a quand même fallu quelques défilés dans la rue, quelques coups de LBD, naturellement ce que je dis là est ironique, avant qu'on commence à se tourner vers eux avec une caméra dans les mains, en disant « Dites donc les mecs, alors c'est quoi exactement votre truc ?» Bien sûr qu'il est super doué, je vois dans les commentaires, on m'écrit « Si c'est un infiltré, il est super doué. » Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, par exemple, dans son bouquin, qui est plein de vérités, où il dénonce, Juan Branco s'acharne sur un candidat de La République En Marche que personne ne connaît quasiment. Alors vous savez, ça fonctionne un petit peu comme un magicien. Un magicien, quand il veut vous faire un tour de magie, il détourne votre attention pendant qu'il fait son tour de passe-passe. Et une fois qu'il a fait son tour de passe-passe, vous êtes allé exactement là où vous vouliez qu'il aille. Alors c'est aussi l'avocat de Flyrider, effectivement. Bien sûr, je n'ai absolument rien à reprocher à Flyrider. Mais si j'étais à la place de son ennemi, je mettrais juste à côté de lui le plus dévoué de mes partisans pour pouvoir le surveiller, le contrôler, le diriger. Voilà ce que j'en pense de Juan Branco. Donc, j'espère sincèrement que je me gourre. J'espère sincèrement que je suis complètement à côté de la plaque, parce que si effectivement quelqu'un qui arrive directement d'un milieu où on a des clients comme le patron de Free, alors le patron de Free c'est quand même pas Marcel Chambier quoi, et qu'à un moment donné ce type prend la décision de parjurer ses clients au nom de la révolution des Gilets jaunes, champion du monde. Le mec porte ses couilles. Mais je m'aperçois quand même que à chaque fois que j'écoute un interview ou une discussion où il est impliqué, il ne prend jamais parti cet homme-là. Il n'hésite pas à appuyer sur la tête de gens qui lui sont inférieurs, mais en aucun cas, il ne porte ses couilles en prenant parti à un moment donné. Expliquez-moi comment ça se fait qu'on a eu autant de mal d'aller mettre les pieds dans une émission si pourrave soit-elle comme celle d'Hanouna. C'est-à-dire que le mec, il a fallu l'alpaguer à la sortie de son studio. Il a presque fallu faire cramer sa bagnole pour avoir 3 gilets jaunes sur le plateau. Et lui, il y débarque aussi facilement que la mère Chiappa. Il n'y a rien qui vous gratte. Avec sa bonne tronche de mannequin, là. Voilà. Alors, je lis dans les commentaires, à force, vous vous divisez. Mais un élément comme Branco, c'est parfait pour nous diviser. Je vous dis, la première chose qu'il fait en arrivant, il tape sur la tête de François Boulot. On s'en fout, je ressemble à Guy Montagnier. Je ressemble aussi à Bernard Blier. Je ressemble à n'importe quel mec qui est chauve à partir du moment où j'ai pas de cheveux. Donc voilà ce que j'en pense de Juan Branco. Maintenant, je veux bien lire quelques commentaires. S'il y a des gens qui veulent échanger à ce sujet, je suis complètement ouvert. Oui, je fume une clope, effectivement. J'ai pas encore tout réglé avec la cigarette. Donc là, j'ai envie de fumer une cigarette. Macron, enfant gâté, il ferait mieux de traverser la rue. Oui, bien sûr, ça c'est constructif. Hein. De toute façon, on le sait. Bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Sois proche de tes amis, encore plus proche de tes ennemis. Je comprends ton raisonnement. C'est quelque chose comme ça. C'est ce qui me gratte. Hein. C'est ce qui me pose un véritable problème. Hein. Pensez ce que tu veux, mais prends le temps de lire son livre et après on cause. J'ai pas envie de le lire, son livre. La plupart des informations qui sont à l'intérieur, je les connais déjà. Parce que son livre fait peur et marche. Alors, parlons-en 2 secondes de son livre. Le mec déclare à qui veut bien l'entendre qu'il est absolument pas là pour faire de la thune et que son livre est en open source sur Internet. Comment ça se fait qu'il le vend alors? Pourquoi des gens l'achètent?
Si le mec n'est pas là pour l'oseille, parce que bon, s'il y a bien une chose dont Juan Branco n'a pas besoin aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est l'argent quand même. Je vous rappelle que le gars, il fait pas ses lives au fin fond du cul du 93, il fait ses lives boulevard Haussmann, le garçon. Donc après, je suis pas là pour taper sur la tête des gens qui ont un peu de pognon. Hein. Salut mon Greg, oui, tout va bien. Merci de t'en soucier. Je suis pas là pour taper sur la tête des gens qui ont de l'oseille. Il y a des gens qui ont de l'oseille, et tant mieux pour eux. Mais, fous-moi la paix, Diana, avec la cigarette. Venir me faire chier avec ce genre de commentaires, j'en ai rien à foutre. Bonjour Sylvain, je suis content que tu sois là, et si tu as un avis sur l'ami Branco, il m'intéresse fortement. Sohan, effectivement, je veux bien me fier à ton jugement, on est toi et moi des gens qui fonctionnons d'instinct. Mais néanmoins, il y a quand même des éléments qui me grattent, et puis bon, tu connais mon aversion pour la bande Ameluche et mon aversion pour les bandes politiques en règle générale. Forcément, ça me refroidit. D'un autre côté, je suis le premier à déclarer que si demain la mère Le Pen ou Nicolas Hulot ou Asselineau ou je ne sais qui avait une idée géniale, je vois pas pourquoi on pourrait pas profiter de cette idée géniale simplement parce que les gens ont un passif. Mais c'est la stratégie autour de Branco qui me pose un véritable problème. J'ai un espèce de feeling qui me dit que le mec arrive et la première démarche qu'il fait, hop hop, c'est d'appuyer sur la tête des autres pour ne devenir que le seul et unique point focal des gilets jaunes. Ça me pose un véritable problème. J'arrive pas à lire la fin de ton commentaire, mon ami. Si vous faites des commentaires qui sont beaucoup trop longs, c'est très difficile avec le smartphone. Si, bonjour, ça c'est facile à lire, mais pas de problème. Alors, il est vraiment très fort, faut pas oublier qu'il est avocat. Alors, Jacques Mesblon, là, vive Jacques Mesrine, on a compris, mon petit gars, ça fait 187 fois que tu nous l'écris. Et si tu l'écris une 188e fois, je les effacerai toutes une par une parce que ça y est, ça me gonfle. Oui, bonjour. Le principal du livre est en PDF gratuit, absolument. Pourquoi ne pas lui parler pour voir un peu? Alors avec plaisir, hein. S'il y en a un ou une qui veut éventuellement organiser une rencontre, moi je me ferai un plaisir, soit de mettre en avant son action si elle me semble légitime, soit de le détroncher en public si j'ai le sentiment que ce type est un parvenu, hein. Après, voilà, encore une fois, je ne suis pas partisan de la division, vous savez très bien. Je ne suis pas partisan de se rentrer dans la gueule les uns auprès des autres. Mais actuellement, Juan Branco, j'ai un peu le sentiment d'un vegan qui vient nous expliquer qu'il ne faut pas manger... J'ai un peu le sentiment d'un représentant vegan qui nous explique ce que c'est que d'être vegan en bouffant une côte de porc, quoi. C'est ça l'idée. Enfin, c'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais, il a dénoncé les magouilles du pognon de Notre-Dame sur LCI. Je suis d'accord avec toi, Vulfron. Mais on les dénonce toutes. Oui, je sais, Sohan, que t'es foutu d'essayer. C'est pas pour rien que je dis ça. Mais alors, pas chez Hanouna, hein. Si vous voulez, j'aime pas trop cet effet de masse qui fait que le mec est jeune, beau, diplômé, brillant, sachant. Et le mec, il arrive, je dis, ça a une gueule d'Iron Man, cette histoire, c'est beaucoup trop propre. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais il y a quand même un passif derrière ça. Et puis de se pointer, je vous dis, en tapant sur François Boulot, celle-là, elle ne passe pas. Je suis désolé. En plus, d'un côté, je suis l'avocat de Méluche, et de l'autre côté, je suis l'avocat du mec de Free. Pardon, mais bon, voilà, j'ai regardé tout à l'heure un interview de sa pomme, on lui demande d'avoir un avis sur les Black Blocs, il se transforme en caméléon serpent, zigzagant entre les gouttes, et finit par avoir un avis sans en avoir, ce qui lui permet, dans tous les cas de figure, et j'imagine que ça vient aussi de ses talents d'avocat, de pouvoir continuer d'intervenir pour n'importe quel client, sans jamais prendre parti. Alors après, d'aucuns diront qu'aujourd'hui, professionnellement, il est grillé. Mais en même temps, quand tu copines avec les cercles qu'il a, la question financière ne se pose pas énormément, quoi. Je veux dire, moi, si demain, je gagne 150 patates au loto, je vous invite tous à becter. Si vous êtes 2000, j'en ai rien à cirer, quoi. C'est tellement gros que ça risque d'être vrai. Ben, vous savez, j'ai entendu un jour dans un excellent film, je ne sais plus lequel d'ailleurs, où un type disait à un moment donné, c'était un voleur, le meilleur moyen de passer inaperçu, c'est de se faire remarquer.
quand on analyse bien, c'est pas si con. Et en termes de stratégie militaire, ça tient debout, hein. Oui, il a tapé sur Boulot lors d'une conférence, reprochant à Boulot d'avoir un attaché de presse ou un conseiller en communication, quelque chose comme ça. Mais enfin, je peux comprendre aussi qu'un mec comme François Boulot, moi je me plains déjà d'être harcelé en ayant 15 000 followers sur ma chaîne YouTube. J'imagine que pour Boulot, ça doit quand même être extrêmement compliqué de faire le tri. Donc je peux pas tellement reprocher à un type comme ça de se faire aider par un conseiller en communication. Je ne vois pas où est le mal. Oui, je leur mettrai le lien. Alors Diana, entre tu fumes un joint et t'as une tronche de Black Bloc, c'est quand j'ai une tête de cul, quand je tousse, on dirait que je pète. Parce que alors, ça, c'est vraiment des commentaires qui font avancer les choses. Hein. Est-ce qu'on peut pas utiliser les forces à essayer de s'entretuer? Et je demande que ça, qu'on arrête de s'entretuer. Hein. Merci Sylvain pour ce commentaire qui nous fait avancer. Bien sûr qu'il pratique à merveille la langue de bois, c'est exact. Après, la question est de savoir comment il va l'utiliser cette arme. Est-ce qu'il va l'utiliser pour servir les citoyens révoltés ou est-ce qu'à un moment donné, il va l'utiliser pour se retourner sa veste et aller expliquer tout ça à ses mentors? C'est ça qui me pose un problème. Et avec le profil qu'il a, à aujourd'hui, je ne suis pas convaincu. Alors, trop polyme pour être honnête, ouais, c'est peut-être pour ça que, effectivement, moi, ça me pose un vrai problème qu'il puisse débarquer comme ça sur n'importe quel média sans trop se poser de questions, alors que ça a été extrêmement dur. Je veux dire, prenez contact avec Thierry Paul Valette ou avec Sylvain Baron. Croyez-moi que pour intervenir dans un média de masse et pour faire passer un message, c'est extrêmement compliqué. De quoi tu te mêles? Tu desserres les gilets jaunes. En quoi je desserre les gilets jaunes, mon gars? En quoi je desserre les gilets jaunes? J'attends la révolution depuis près de 30 ans. J'ai commencé à la prêcher sur Internet il y a 2 ans. Donc qu'est-ce que tu viens m'emmerder que je desserre les gilets jaunes? J'étais gilet jaune alors que tu faisais encore des loopings dans les couilles de ton père, mon petit gars. Faire un live avec Juan Branco. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu réponds, tu as pensé quoi que les flics cachent leur plaque d'immatriculation? J'en pense rien, c'est pas le sujet du live, et de toute façon, je m'en fous. Pour moi, aujourd'hui, les flics sont tous pourris. À partir du moment où tu continues de porter un uniforme dans un corps d'armée qui n'hésite pas à tirer sur le peuple, t'es complice. Donc, je suis désolé, je marche pas. Alors, ça va pas plaire à Sylvain, parce que c'est pas sa tasse de thé, mais bon, en attendant, c'est ce que moi, j'en pense. Donc, est-ce que t'as vraiment besoin qu'un flic... T'as entendu quoi trancher à propos de la destitution de Macron ou encore la sortie? Tu as entendu dire quoi de trancher à propos de la destitution de Macron ou encore de la sortie de l'UE? J'ai pas entendu Branco s'exprimer à ce sujet-là. Je l'ai pas entendu. Ça veut pas dire qu'il l'a pas fait, mais je l'ai pas entendu. Mais bon, tu sais, la destitution de Macron, rendez-vous le 4 mai devant BFM à 13h30, j'ai mon cours de macramé acrobatique. Je déconne, Sylvain, fais pas cette tête-là. Si je peux, tu sais très bien que je viendrai. À l'antenne sont passées toutes sortes de choses. Alors, ne regardant pas la télé, évidemment, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Vous n'avez pas marre de critiquer les autres? Vous n'avez pas de vie pour vous occuper de celle des autres? Allez, d'accord, alors, ça aussi, ça tient debout. C'est celui qui dit qui est. Et gnagnani, et gnagnagna, la meilleure eau, c'est la badoie. Elodie, je me pose des questions. Je suis pas en train de critiquer, nom de gueux de merde. Il arrive un type sorti tout droit du cul de Bernard Arnault qui vient nous expliquer comment on fait la révolution. Excuse-moi, mais un mec comme Sylvain Baron, qui vit dans une cabane et qui cultive 3 patates et qui est sur tous les fronts quasiment 24 heures sur 24, il est un tout petit peu plus crédible en termes de révolution que Juan Branco du haut de sa Porsche, sorti de son appart boulevard Haussmann, merde! Maintenant, je me pose simplement la question. Je veux dire, imaginez que la mère Le Pen nous fasse un reportage où elle a accueilli 15 migrants chez elle pendant 3 semaines. Vous ne seriez pas en train de vous gratter la tête en vous disant qu'est-ce qu'elle fout l'autre folle là? C'est quoi ce bordel? Combien font la moitié de ce que Jimmy fait? Ah, merci, c'est gentil ça. Un peu de recul pour un ami concret. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Alors, attends. À lui tout seul, il fait le buzz. Il défend les gilets jaunes gratos. Réponds, s'il te plaît. Parce que tu crois que Jérôme Rodriguez ou Éric Drouet se font payer?
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes tous là. Bon courage, Sylvain. Merci à toi. Je comprends pas que vous êtes tous là en train de vous extasier parce que Juan Branco défend les gilets jaunes gratuitement. Est-ce que vous avez vu Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Fly Rider, Alix Sator, Sylvain Baron, ma pomme, vous réclamer un salaire pour ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, manquerait plus que ça qu'ils le fassent pas gratuitement et qu'ils demandent du fric, sans déconner. Faire des loopings dans les burnes à son père, j'en pleure. Oui, bon, il n'est pas fait exprès, Greg. Excuse-moi, c'est venu comme ça. Alors, mais sans déconner, quoi. Les mecs, vous vous rendez compte, il fait ça gratuitement. Je veux dire, c'est de la même manière, c'est s'extasier devant Bernard Arnault qui nous crache 200 millions d'euros pour Notre-Dame. Alors, je fais une petite parenthèse de seconde. Les 200 millions d'euros, c'est les vôtres, hein. C'est nous qui payons la révolution, la rénovation de Notre-Dame, hein. Parce que la mine à mer, hein, avec ses 200 patates, ses 200 patates, qui nous a raflé, hein, entre la fraude fiscale, les évasions financières, ces 84 milliards d'euros, arrêtez de dire, oh là là, alléluia, il nous a donné 200 millions d'euros pour Notre-Dame. Non, non, il nous a rendu notre pognon pour qu'on répare notre tas de cailloux. Pognon, d'ailleurs, avec lequel on aurait peut-être fait autre chose, hein, on aimerait, si seulement on pouvait en disposer, hein. Donc, le coup du « nous sommes des amoureux de la collectivité », ouais, tant que la collectivité engraisse pouvoir et argent dans nos cercles, effectivement, nous sommes amoureux d'elle. Et Branco non plus ne réclame pas d'argent. Nikodos, je mets des gants pour faire parler les gens. Non, je mets des gens pour faire parler les gants. Voilà. Mais il bosse pas gratos, sans déconner, aller faire un tour sur son Wikipédia. Regardez par exemple son parcours scolaire. Il a quasiment le même que les gens qui nous pilotent aujourd'hui, quoi. Eh ben écoute, si tu trouves que du café, c'est de l'alcool, c'est pas un ophtalmo qu'il te faut, c'est un chien, toi, hein. Crépuscule, je ne sais pas ce que c'est. Et il va en récupérer 60% cet enculé. Ouais. Trop de médiatisation tue le bonhomme, c'est pas faux. Ça fait des décennies qu'on se fait entuber pour ne pas dire d'autre chose. C'est quoi le sujet? Bah, c'est écrit dans le titre du live. Ceux qui ont voulu une rénovation de Notre-Dame à peu près tous les deux ans. La majorité des Français sont des moutons, malheureusement. Oui, bah, à ce moment-là, il faudrait peut-être voir, alors trouver un berger qui tient la route. Ça pue l'enfumage, Branco, un mec intelligent comme lui, qui nie la participation des FM. Ah, attends, je vais reprendre ton commentaire. Qui nie la participation des FM et des sionistes à la décadence de la France, ça sent le pipeau à fond. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais c'est trop propre. Non, c'est pas les gants de Robocop, non. Quand tu vois Robocop, quand tu vois le look qu'il a et la patate qu'il a, tu vas pas lui tirer ses gants. C'est une perle qu'il faut choyer pour une fois qu'il y a un mec du milieu des putes. Attends. J'arrive pas à lire la suite de ton com, mon gars. Branco, c'est une perle qu'il faut choyer pour une fois qu'il y a un mec du milieu des putes qui veut aider le peuple et chier sur la corruption. Alors, oui, d'accord. D'accord, effectivement. J'aimerais que ce soit ce que tu dis. Mais il en vient de ce milieu. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. Et puis, les leaders des Gilets jaunes, soit qui se sont autoproclamés, soit qui le sont devenus par la force des choses, ils ne se taillent pas la bourre entre eux. Les gens le font. Les gens le font très bien. Ryder, Drouet, Rodriguez. Les gens se taillent la bourre entre eux. Mais les leaders entre eux, ils ne se taillent pas la bourre. Et lui, il arrive, et le premier sur lequel il tape, c'est le plus facile à placer, François Boulot. François Boulot, il est posé, consistant, pertinent. Je veux dire, c'est quand même le seul qui a mouché la plupart des politiques ou la plupart des économistes qu'il a rencontrés concernant le CICE. C'est le seul qui a fait ça. Et Branco, quand il arrive, le premier à qui il s'en prend, c'est celui-là. Moi, ça me pose un problème. Eric, il arrête les lives, mais pas les manifestations. On peut se méfier, mais pas forcément tout rejeter en bloc. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Jimmy est comme Alix Sator, il a toujours raison. J'aimerais bien, si j'avais toujours raison, les clubs seraient beaucoup moins chers, la cigarette électronique serait autorisée et on aurait rouvert les bordels. Pas pour moi. Faut se joindre une bonne fois pour toutes et pourtant. D'autres questions? Profitez-en, je suis open là. Pour une fois, sans des gens comme vous, ça n'arriverait pas. Si tu veux parler d'Assange, alors... Si tu veux pas parler d'Assange, alors je zappe. Ben, je veux pas parler d'Assange. Bonne fin de journée à toi. Je m'en fous d'Assange. Que pense Maxime Nicole de lui? J'en sais rien. Pardon, j'ai eu un appel pendant le live, c'est très drôle.
Pas d'autres questions? Je pensais que tu posais des questions. Il est citoyen. Pas facile de lire les coms quand même, hein. Je pensais que tu te posais des questions. Il est citoyen aussi et je pense qu'heureusement qu'il est là. Mais c'est, comment il s'appelle? Qui me dit ça? Charlie, j'aimerais que tu aies raison. J'aimerais avoir l'assurance absolue que tu as raison. Aujourd'hui, blablabla et rien n'avance. D'accord. Thierry Champy, pourquoi tu as des gants? Pourquoi tu as des cheveux? Prête-moi un peu de ton vocabulaire et de ta faconde, il deviendra peut-être écoutable. Prends toujours 5 minutes à lui rechercher, c'est ce que je fais. Continue comme tu es ma poule, c'est gentil, Rems. Certains commentaires me laissent sans voix si ce mec vous plaît pas. Ça nous éviterait de lire des conneries. Ah oui, non, mais alors ça, Rosa Maria, c'est gentil ce que t'écris, mais tu sais, salut Élise, les gens qui aiment pas le vélo, il y en a de plus en plus, hein. J'ai pas vu la vidéo de Branco des Monts de Boulot. Il y a quelqu'un qui l'a posté tout à l'heure dans les commentaires. Est-ce qu'il serait possible de le joindre? Je sais pas. Je répète, la prise de conscience est telle que même si c'est pas grave, même si c'est pas grave, même si c'est pas grave, au bout du compte. D'accord. Tous des cons, oui, ça c'est bref. Branco, c'est un pur produit de l'élitisme français qui veut se faire des sensations. Ah, attends, ça tient la route, ça? Lorsque ceux qui le font vivre siffleront la fin de la récréation, il retournera vers les siens. Bah Thierry, ouais, je partage un peu cet avis-là, effectivement. Essayez de le contacter, pff, il pas que ça à foutre. Et puis bon, c'est un grand garçon, le monsieur, hein, il a internet, il a qu'à farfouiller un peu et il me trouvera avec plaisir, quoi. Voilà, je relirai les commentaires et je prendrai le temps d'y répondre avec plaisir. J'avais envie de partager cette réflexion avec vous. Voilà qui est fait. Pour le reste des sujets, ma dynamique ne change pas tellement, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à taper sur la tête d'un type qui essaye de s'agiter au nom de la révolution. Mais malheureusement, ses diverses actions, son passif, son parcours, et le lieu d'où il vient me pose un véritable problème. Jérôme, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe. Mais j'ai quand même du mal à percevoir l'esprit de corps de la part de quelqu'un qui fait cette démarche de taper contre un des représentants d'un mouvement qu'il défend. Ça, ça me pose un véritable problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Par rapport à ce live. À propos de son bouquin, quand même, je voudrais ajouter une chose. Son livre, il ne dit que des vérités. Son livre ne dit que des vérités. Mais d'un autre côté, quel est l'intérêt d'enfoncer des portes ouvertes? Certes, si on est dans une démarche où on veut décrire aux gens ce qui se passe actuellement dans le monde réel, pourquoi pas? Mais pourquoi le faire? Et c'est ça qui me gratte, et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi le faire quand on en vient de ce milieu? Pourquoi le faire quand on est issu de ce milieu, et la première chose qu'on fait, c'est de pondre un bouquin en disant, voilà, là d'où j'arrive, c'est comme ça que ça se passe. Alors s'il en arrivait et qu'il était passé à autre chose, ça peut tenir la route. Le problème, c'est que non seulement il en arrive, mais il y est toujours. Et ça, ça me pose un véritable problème. Alors tout à l'heure, quelqu'un parlait de siffler la fin de la récréation. Qui sait si à un moment donné, l'ami Branco, il va pas se retrouver sur les genoux de l'ami Bernard Arnault qui va lui baisser son pantalon et lui mettre une fessée parce qu'il n'a pas été sage. Ça, j'ai pas la réponse à cette question, mais quand je l'aurai, je ne manquerai pas de vous en faire part. Essayez de ne rien lâcher, d'être unis le plus possible. Je ne suis pas là pour déclarer que Branco est un petit enculé d'arriviste ou que c'est un type extraordinaire qui va tous nous sauver. Pour l'instant, je n'ai pas encore tranché cette question, je ne l'ai pas complètement tranché. J'espère y parvenir. Évidemment, je garde un tout petit peu de méfiance parce que, en règle générale, les gens qui développent un sujet, j'apprécie beaucoup que ces gens maîtrisent ce sujet. Et venir parler de la pauvreté, je vous l'ai dit, quand on fait ces lives Boulevard Haussmann, moi, ça me pose un véritable problème. Je vous laisse entre vous
Essayez, je vous en supplie, de vous en aimer un tout petit peu les uns les autres. Si c'est pas le cas, prenez quand même le temps de vous tolérer. La preuve, c'est que l'ami Bronco, j'ai pas du tout envie de lui mettre des tartes dans la gueule ou de lui taper sur la tête. Si demain, quelqu'un a envie d'organiser une rencontre, pourquoi pas? Ce serait plutôt rigolo. Je vous souhaite une agréable fin de journée à tous. J'ajoute pour finir que tous les trous de balles qui sont venus dégueuler des commentaires à la con, je ne perdrai ni temps ni énergie à y répondre, mais je vais simplement les supprimer, les bloquer parce que j'ai autre chose à foutre. Bonne fin de journée à vous et à une autre fois, si vous le voulez bien. À